Salut les amis du web, j'ai quelques nouveautés à vous présenter, surtout des bandes originales de films. Et on va commencer tout de suite par un unboxing. Vous avez sans doute reconnu la facture de ce paquet qui nous vient tout droit des États-Unis, de chez Waxwork Records. Alors on va l'ouvrir sans plus attendre. Ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Alors, voilà la bande originale du deuxième épisode de film d'avant-guerre de Frankenstein, The Bride of Frankenstein. Avant d'aller plus loin, donc je vais vous faire un petit sommaire sur les disques que je vais présenter. Donc celui-ci déjà, celui-ci, ensuite celui-là. Voilà. Et ensuite un peu de New Wave. Alors, commençons par le premier. Donc, vous voyez, on a quand même du pain sur la planche. Voilà, une belle brochette de BO. Alors, The Bride of Frankenstein. Alors, je prends toujours mon petit mémo pour être sûr de rien oublier. Donc c'est un film, The Bride of Frankenstein, un film d'horreur de 1935 réalisé par James Whale et avec Boris Karloff et Elsa Lanchester. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Bon, c'est un film en noir et blanc qui est un petit peu dans l'image est un petit peu passé. Alors c'était ce film faisait suite au premier Frankenstein de 1931. Donc et la bande originale du film et de Franz Waxman à l'époque, et c'est pas mal du tout, c'est un peu classique. Bon, je pensais que ce serait quelque chose de très démodé, mais en fait, pas du tout, pas du tout. C'est assez excellent et je me suis laissé séduire. Et il a été sold out, et puis il est revenu avec les doigts romains d'argent, Edward Scissorhands. Il a été de nouveau disponible quelques jours. J'en ai profité pour le prendre, puisque j'avais déjà pris l'Edward Scissorhands, d'ailleurs, qui était épouvantable. Ils m'en ont renvoyé un autre parce qu'il était bourré de clics de pop, de bruit de surface. Et donc, mon Edward aux mains d'argent était inaudible. Donc, j'aurais fait une vidéo audio et m'en ont renvoyé. Hein. Là, il a été expédié hier des États-Unis. Alors, j'espère que celui-ci sera pas mal. Et j'ai remarqué que ce soit chez Mondo, Enjoy the Ride Records ou Waxwork Records, donc, souvent, quand ils font des doubles gatefold, comme il y a pas mal d'espace entre les plages et entre les sillons, il y a pas mal d'espace, le pressage est assez bon. Mais quand il n'y a qu'un seul disque, alors à ce moment-là, les sillons sont plus rapprochés et c'est là où on a des bruits de surface. Donc ce sont sur les singles, les disques singles, les albums singles, avec un disque où il y a souvent des problèmes chez ces trois maisons. Donc on va l'ouvrir, The Bride of Frankenstein 1935, donc musique composée par Franz Waxman. Alors, on va le faire à l'ancienne. Voilà. Alors, c'est un gatefold, là, mais pas un double, je pense. Donc, il va falloir s'attendre au pire. J'en ai un petit peu marre de demander faire les vidéos pour me les renvoyer. C'est pas très agréable, mais bon, que voulez-vous? Alors, très jolie pochette. Bon, les artworks sont toujours excellents, que ce soit chez Mondo ou soit. Donc, toujours des magnifique artwork. Bon, là, on a la tracklist. Évidemment, à l'époque, les BO n'avaient pas de score étendu à l'époque, donc étaient assez courtes. Voilà le Dr. Frankenstein. Voilà. Je regarde, des fois, il y a toujours un petit. Souvent, il y a quelque chose à l'intérieur. Ben non. Là, franchement, c'est curieux, donc mat, vous voyez, c'est assez sympa. Et on a bon, à l'intérieur un vinyle tout à fait dans le goût du film en noir et blanc, vous voyez, marbré, qui est assez joli, hein. Il y a un joli macaron. Donc, pressage de c'est sorti en 2020, 2020, ouais. Fin 2020, et ça a été en pré-order et ils l'ont expédié en janvier, si mes souvenirs sont bons. Voilà, très beau disque en tout cas. Je ne sais pas s'il est bon à l'écoute. Je sais que la BO est excellente.
Le score est excellent, mais on va écouter s'il n'y a pas des pops. Bon, là, on voit rien. On voit pas de traces, évidemment. C'est difficile sur ce genre de vinyle marbré, ce genre de vinyle splatter. Alors, souvent, les différences, je vous ai dit, de couleurs font qu'il y a des fois des défauts de pressage parce que les parties plus sombres, normalement, devraient être pressées plus longtemps que les parties plus claires qui devraient être, où le temps de chauffe devrait être plus réduit. Donc là, comme ils sont obligés de faire un temps de chauffe, une moyenne de temps de chauffe, donc c'est possible qu'il y ait des problèmes de bruit de surface à cause de ces problèmes de temps de chauffe qui doivent être normalement différents et là qui sont obligés d'en faire un seul. Voilà pour les deux sortes de vinyle. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors The Village of the Damned. Alors ça, c'est une musique composée par John Carpenter et Dave Davis pour un film qui a été évidemment réalisé par John Carpenter. Et là, c'était une exclusivité universelle, Vares Sarah Band, mais pour la Fnac. Mais en fait, je pense que c'est une exclusivité Vares Sarah Band Universal, puisqu'on sait que Universal a un peu un droit de suite, je dirais, sur les rayons de la Fnac, puisqu'ils sont plus ou moins actionnaire ou partie prenante de ce groupe, la Fnac Darty. Donc, ils ont un peu l'exclusivité d'Universal, la Fnac. Donc, c'est une pseudo exclusivité à la Fnac, mais plutôt Universal Varese Sarabande. Donc, Le Village des damnés, film de 1995. Donc réalisé par John Carpenter, pardon, film britannique. Il s'agit d'un remake du film britannique du même nom, The Village of the Dame de 1960, qui était réalisé par Wolf Rilla à l'époque. Voilà. Alors distribution, Christopher Reeve, le docteur Ian Chaffee et Christy Alley, docteur Suzanne Werner. Voilà, on va pas aller plus loin. Donc, si vous voulez faire un petit arrêt sur image sur la distribution, voilà, donc je vais pas vous raconter l'histoire. Il s'agit donc se déroule aux États-Unis. Par contre, ça se déroule aux États-Unis, non pas au Royaume-Uni, en Angleterre, comme le premier de 1960. Voilà, c'est tout. Bon, toujours. Des affaires de mort-vivant, évidemment, comme souvent. Alors, on va l'ouvrir. C'est un gatefold là aussi. Donc, pardon, Village of the Damned. Donc, je vous montre le petit sticker. Bon, à cause du Covid, les délais de livraison étant pas mal retardés, il y a des pré-orders, mais ça s'éternise un peu. Donc, et puis les délais de livraison, surtout les États-Unis, ça prend presque un mois. Donc c'est pas évident du tout. Voilà le donc très satiné avec le score donc dans le style Carpenter, surtout de 95. Donc ça doit être pas mal synthétique comme musique et on a aussi les images du film. Vous voyez ici, pas mal du tout. Et donc deux disques. Regarde, c'est tout. Les 10 sans rien dedans. Avec très joli macaron. Du 180 grammes également. Regardez comme c'est assez joli. Assez joli, translucide. Ouais, c'est vraiment beau. C'est chiné un petit peu comme ça. Assez fidèle. La vidéo est assez fidèle. Si ce n'est que je vais essayer de mettre du noir. Voilà, pour que vous ayez un petit peu plus de voilà, la vraie couleur. Un très superbe macaron. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, BO évidemment de Carpenter. Dans The Thing, c'était Ennio Morricone qui avait fait la BO. Mais en fait, il avait collaboré plus ou moins secrètement avec John Carpenter pour faire la BO. Bon, celui-ci est un petit peu plus clair. Vous voyez, mais très joli. Hein, vraiment, c'est magnifique. Je dis donc deux vinyles. Donc le score doit être pas mal parce que Vares Sarabande c'est quand même bon. Donc c'est un futur collector parce que quand même
Les Star Wars Band, ils sont à ses côtés, dès qu'ils sont sold out, ceux-là. Et Universal Music, donc c'est quand même de la qualité d'enregistrement à coup sûr. Ensuite, Dick Tracy. Alors, non, avant, donc on passe sur du Danny Elfman. Les frères Perrin sur leur chaîne, sur le Vinyl Club, vous avez fait une première partie sur Danny Elfman avec son groupe Oingo Boingo. Donc j'avais fait une spéciale, aussi une vidéo spéciale. Et ensuite, après, au fur et à mesure des BO de Danny Elfman, et Dieu sait s'il y en a eu, comme Hans Zimmer d'ailleurs. Dieu sait si il a fait des BO et surtout il a été connu pour ses BO concernant la série Batman. Et là justement la Fnac, bon, je vois que c'est Warner Bros. Hein, donc a fait une édition limitée, c'est marqué exclusivité la Fnac. En fait non, c'est une exclusivité Warner Bros. Et c'est déjà sold out ça plus ou moins. Donc peut y avoir encore quelques par des revendeurs, vous pouvez encore vous le procurer. Donc, c'est. Bon, je vous avais montré l'édition originale, hein, je pense, ou la réédition déjà. Et là, donc, il s'agit Batman, avec le thème de Batman. Oui, il signale aussi que Danny Elfman a eu un Grammy Awards, The Winner for the Best Instrumental Composition. Voilà, donc c'est rappelé, ça on le savait. Donc, BO de Batman de 1989, hein, avec toujours ces scores assez fabuleux. Là, je ne pense pas qu'il s'agisse du score étendu, parce qu'on a tous ces titres. Il faudrait que je compare avec l'édition de chez Mondo, enfin la réédition de chez Mondo, où il y avait un score étendu. Donc là, ça doit être le score original réédité donc en 2020 avec évidemment le vinyle coloré. Je vous dis qu'il est difficile à trouver déjà. Donc c'est comme souvent les Warner. On a même ça, c'est assez appréciable, tous les disques qui sont vendus par la Warner. Et Dieu sait s'ils ont fait pas mal de films. Et on a évidemment pas mal de disques. C'est assez intéressant. Vous voyez tous les disques qui sont disponibles chez Warner, celui-ci aussi. C'est assez intéressant comme documentation. Et avec un joli petit disque qui est translucide, un petit peu chiné légèrement. Voilà, donc assez classique. C'est pas du 180. Hein. C'est pas du 180 du tout. Voilà. Donc, ce que je pouvais dire sur ce score que j'ai déjà, mais bon, c'est une édition qui était en dessous de 20 € et qui était intéressante et qui est déjà, je vous dis, plus ou moins sold out déjà. Alors, ensuite, puisqu'on est dans du Danny Elfman, une autre édition limitée, là, de chez toujours Warner, dans la série Warner Records. Donc, une réédition 2000, c'est 2020-2021, ça. Hein. Sorti en 2020, fin 2020, distribué en 2021. Alors, Dick Tracy, Original Score, composé par Danny Elfman, Limited Edition. Pareil, il a eu un Grammy Awards en 1990. Alors, on trouve également l'édition originale. Je crois que les frères Perrin vous l'ont présenté d'ailleurs. Là, il s'agit de la réédition que je n'avais pas. Avec ce score, donc ce ne sont pas les scores étendus, il n'y en a pas eu. Et je crois qu'il y avait eu un score Various avec Madonna, score de Madonna. Également, comme souvent à l'époque, les BO, on trouvait ça pour la BO Batman, pour d'autres BO, où on avait le score musical aussi pour Ghostbusters. On avait le score de la BO, je dirais, instrumentale. Et puis après, on avait le score Various avec différents titres de chanteurs et de chansons pour le deuxième volet de la BO. Surtout dans les années 80 et 90, jusqu'en 90, ça se faisait pas mal. Donc, Dick Tracy, un film de 1990 réalisé par Warren Beatty et qui n'a pas eu un grand succès. Voilà, pas eu un grand succès. Alors. Il y a Al Pacino dedans, Charlie Corsmo, voilà ce que je pouvais dire. Warren Beatty, voilà.
interprète et réalisateur. C'est ce que ça m'étonnait. Voilà. Donc, il est réalisateur du film et interprète. Voilà, donc on va l'ouvrir. On va ouvrir ce disque. Le score est certainement meilleur que le film, que je ne connais pas d'ailleurs. Si Batman, évidemment, je les ai archi vus. Là, je n'ai pas vu. Donc, pas pareil, on a toujours de la publicité. Et on a également la publicité pour Madonna, voyez. Donc, pour le score de Madonna. Voilà. Va falloir que j'écoute. J'espère qu'ils n'ont pas mélangé la partie instrumentale avec les chansons de Madonna. Je ne sais pas. Il va falloir que j'écoute. Musique composée par Danny Elfman. Apparemment, non. Non, non, non. Apparemment, je regarde. Non, non, non. Il n'y a pas de morceau de Madonna à l'intérieur. Donc, vous voyez, on voit bien le score. Bon, très jolie pochette réédition. Ça aussi, c'est sold out, hein. Alors là, c'est carrément sold out. Celui-ci, vous ne le trouverez plus, sauf sur Discogs, toujours pareil. Mais enfin, des disques qui se vendent à 19 euros, ça vaut le coup. C'est pas du 180 grammes, donc ça vaut le coup. Si c'est pour les acheter à 30 euros sur Discogs, plus 25 euros de frais de port, ça vaut bien 50 euros. Bon, après, vaut mieux laisser tomber, quoi. Voilà. Voilà, donc il faut essayer de les prendre en pré-order si on arrive à les avoir même en pré-order. Donc très joli bleu translucide là aussi. Donc Dick Tracy, toujours ces années, hein, de 1990 également. Batman, c'était 89. Vous voyez, donc à l'époque où Danny Elfman était très en vogue. Voilà. Alors pour finir, bon, ça va être une vidéo assez courte, oui, c'est déjà 16 minutes. Alors j'avais ce disque, qu'on peut trouver, c'est une réédition du groupe de La Factory, hein, de Manchester, donc The Wreck, je vous avais présenté déjà un best-of. Et là, celui-ci, bon, on le trouve sur Discogs, on le trouve encore, mais il est à La Factory, je crois que c'est Rhino qui distribue ça, ou Warner, je ne sais plus, La Factory. Et donc c'est Benelux en plus, donc The Wreck, donc bon groupe New Wave, album de 1983, et Here Comes Everybody, et il y a aussi un bonus à l'intérieur, donc c'est sorti en 2020, et c'est déjà sold out chez le label, chez le fabricant, mais on le trouve encore sur Discogs, mais je vous dis, sur Amazon, il n'y en avait plus, à tel point qu'encore ça doit faire le sixième où je les reçois. C'est une catastrophe sur Amazon avec des défauts, mais je ne vais pas le renvoyer celui-ci, parce que bon, c'est des disques qui coûtent moins de 20 euros. Si vous l'achetez sur Discogs, c'est une trentaine d'euros, voire plus, avec les frais de port. Ils en ont plus sur Amazon, c'était le dernier, donc voilà, tout est là, donc avec le score. Dessus, au Pamela, Send Them Away, Say True, Melancholy Man, World of Their Own. Qu'est-ce que j'avais, moi, The Wake, VX. Je vois si je l'ai sous la main. VW, je peux l'avoir là. Voilà, on l'avait ici. Voilà, The Wake, je vous avais montré déjà le best-of. Et qu'est-ce qu'ils avaient? Voilà, Melancholy Man, voilà le single que je cherchais. Voilà, ici on a donc Melancholy Man ici sur ce best-of de The Wreck. Et on le retrouve sur ce score ici. Voilà, Melancholy Man. Très 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 bon, très très bon album, même que je préfère au best-of. Bon, il nous avait donné le CD déjà avec. Je le préfère, c'est à mon avis un de leurs meilleurs albums. Leurs meilleurs albums. Voilà. Donc à garder avec un petit 45 tours de La Factory. Oui, c'était sympa. Voilà, c'est sympa pour ce prix. Hop. Pardon. Je vais quand même vous montrer. Voilà. Donc il vous gratifie de ce petit 45 tours. Assez sympa avec un joli petit macaron. La Factory, ça ressemble un peu à New Order. Un petit peu. Joy, Night Vision, tout ça. Et c'est un peu le style des New Order de l'époque. Donc là, il n'y a pas de CD, je crois pas. On a aussi une jolie pochette du groupe. Hein. Voilà. Donc Manchester, tout ça. Donc vous avez l'habitude. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Bah,
que c'est une édition translucide, mais il n'y a eu qu'une réédition colorée. Je pense que c'est 180 à peine, mais ça a l'air d'être bien pressé. Voilà. Donc, macaron très sobre comme la Factory. Donc, alors, Here comes everybody, was the first time become fully involved in the writing, etc. Voilà, donc si mes souvenirs sont bons, c'est 83, ça. Voilà, à peu près, je pense. De mémoire, enfin, c'est archi connu. Donc, très très bon album, je vous le conseille si vous pouvez mettre la main dessus. C'est une réédition et on peut l'avoir encore parce que c'est en réédition. L'original était difficile à trouver en bon état. Voilà, donc tout ce que je pouvais vous dire sur ce que j'ai reçu. Alors, j'ai eu pas mal de disques d'occasion, mais bon, je sais pas si je vais vous les montrer là parce que. Je préfère faire des vidéos, mais ça n'a pas eu trop de succès, les vidéos avec l'écoute. En fait, je fais écouter le CD gravé des disques que je grave sur CD, justement, des disques vinyles, notamment des maxi 45 tours ou des albums, des meilleurs morceaux des albums que je grave sur CD. J'en mets à peu près 14 par CD, j'en ai fait 4 ou 5. Et alors, après, je vous fais écouter une vingtaine de secondes ou une minute même, mais ça peut aller jusqu'à une minute le morceau, sans se faire choper par. Les droits d'auteur évidemment de YouTube, auprès de YouTube. Donc, quand le disque est sorti en CD, j'essaye de passer assez brièvement. Et finalement, donc, j'ai eu des retours. Il y a certains qui ont été ravis, d'autres. Moi, je vois, j'ai eu 2 à 3 fois moins de vues que d'autres vidéos. Alors, je ne sais pas si je vais poursuivre. Voilà, je ne sais pas du tout. Je verrai parce que ça demanderait un petit travail. Faut tout graver, faut écouter, etc. C'est pas évident. Je sais pas, je verrai, essayez de m'encourager, essayez de regarder si vous êtes abonné, je remercie tous les nouveaux abonnés d'ailleurs, si vous êtes nouvellement abonné, essayez d'écouter ces vidéos où il y a des extraits musicaux, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, hein. Là vous êtes vraiment plongé dans le bain de la musique, vous voyez pas que défiler des disques, vous écoutez également des extraits musicaux de la New Wave. Voilà. Donc après, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais reçu quelques disques, mais bon. Voilà. Après, je vous les montrerai parce que ça demanderait trop de temps. Et on est déjà sur 22 minutes. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et puis, on va tout droit vers les 1000 abonnés. C'est une bonne récompense, depuis bientôt 3 ans, 2 ans et demi de chaîne. Voilà. Et puis je vous dis, pour les commandes, bah c'est un peu retardé tout ça. Parce que, à cause de la crise, je ne sais pas exactement. Bon, mais ça met, les délais de livraison ont été multipliés par 2 en moyenne. Voilà. Donc ça retarde un petit peu beaucoup de choses. Ça espace un peu les vidéos et c'est pas plus mal. Allez, salut et bon visionnage. À bientôt.